cauchemar. La course à pied, c'est 90% mental et 10% physique. Si vous êtes un coureur, vous avez fort probablement déjà entendu une variation de cette citation. Et j'aimerais commencer la vidéo aujourd'hui en disant que je suis fortement en désaccord avec ça. Le mental a définitivement un rôle à jouer, mais la forme physique d'un coureur a significativement plus d'impact sur la performance qu'il peut faire. Contrairement à ce qu'Eliud Kipchoge dit, chaque humain est en fait limité par sa forme physique. Mais c'est là justement que le mental a un rôle à jouer, parce que si on veut atteindre nos limites individuelles, ou du moins s'en rapprocher, bien c'est important que mentalement on soit prêt à le faire la journée de la course. Donc dans cette vidéo, je vais donner mes 4 conseils pour la préparation mentale avant une course. Évidemment, je ne suis pas un psychologue sportif, ces conseils-là sont vraiment juste en lien avec mes expériences personnelles. J'ai pu expérimenter beaucoup justement avec ces conseils cette année, parce que j'ai participé à 19 compétitions, puis je pense que réellement, il y a certaines de ces courses-là qui ont moins bien été ou qui ont mieux été, en grande partie grâce à ma préparation mentale avant la course. Le premier conseil est de ne pas permettre à son cerveau de se créer des excuses pendant la course. Donc c'est vraiment facile, quand ça commence à moins bien aller pendant une course, de commencer à essayer de trouver des excuses. Donc par exemple, on pourrait se dire « Ah, ça va pas bien parce que j'ai mal dormi hier soir, peut-être que je viens de finir une grosse semaine au travail ». Plein de raisons possibles qui sont fort probablement très valides puis effectivement nuisent à la performance, mais c'est vraiment important la journée de la course d'être capable de mettre ça de côté et de simplement se concentrer à aujourd'hui, avec les cartes qui sont offertes à moi, comment est-ce que je peux faire ma meilleure performance aujourd'hui dans ces circonstances-là. Et pour faire ça, je pense que c'est important de prendre le temps avant la course de faire une entente avec soi-même, de ne pas se permettre de créer des excuses, parce que de cette manière-là, quand on va arriver au moment pendant la course où inévitablement ça va commencer à être difficile, on va pouvoir se rappeler que « ben non, j'ai pas le droit de me créer des excuses, je dois simplement me concentrer à fournir le meilleur effort que je suis capable de faire présentement et ainsi essayer de me rapprocher le plus possible à mes limites de cette journée-là. » Conseil numéro 2, c'est d'accepter avant la course que ça va être difficile et ça va faire mal. On entend beaucoup le monde dire qu'il faut se visualiser avoir une super bonne course ou que les sensations sont parfaites ou que tout se passe exactement comme prévu. Puis je pense qu'il y a quand même un fond de vérité là-dedans, là, parce qu'effectivement, il faut croire qu'on est capable de faire quelque chose pour le faire. Mais je pense que c'est aussi important de faire le contraire, de visualiser une course où que justement ça va moins bien ou c'est que c'est particulièrement difficile. Parce que comme j'ai dit tantôt, si on veut atteindre notre plein potentiel, c'est inévitable qu'à un certain moment, on va devoir souffrir et ça va être difficile. Et si on n'est pas prêt mentalement à ça, ce qui risque fort probablement d'arriver, c'est qu'au premier moment que ça commence à être un peu plus difficile, ben on panique et on commence à ralentir parce que mentalement, on a l'impression qu'on n'est pas capable de faire cet effort-là, tandis qu'en réalité, physiquement, on est capable de soutenir cet effort-là. Et ça, j'ai réalisé que c'est quelque chose qui m'est arrivé personnellement souvent, car ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de compétition. Parce que, étant donné que je n'avais pas le souvenir récent de ce que c'est de donner un effort maximal là, la journée d'une course, ben j'avais tendance à être un petit peu plus craintif dans les moments difficiles et ainsi je n'atteignais pas mon plein potentiel. Le troisième conseil est de se visualiser avoir une bonne fin de course où on finit fort. Donc je vais utiliser un exemple concret pour expliquer ce conseil-là. Donc plus tôt cet été, j'ai participé à une course en Italie, le Vertical Nasego, qui est un kilomètre vertical sur une distance de 4 km. Et le dernier kilomètre, c'est de loin le plus à pic, là où c'est qu'on grimpait environ 400 mètres de dénivelé. Et j'étais allé voir le parcours plus tôt cette semaine-là, puis je m'étais vraiment dit que quand j'allais arriver à cette section-là, au dernier kilomètre à pic, j'allais vraiment essayer tout mon possible pour serrer les dents et finir le plus fort possible. Et la journée de la course, quand je suis arrivé à cette section-là, j'étais évidemment déjà fatigué là, parce que ça faisait déjà 20 à 25 minutes que je courais à une très haute intensité. Puis ça aurait été vraiment facile à ce moment-là pour moi de juste me dire « Ok, c'est déjà vraiment difficile, je vais juste essayer de continuer à cette même intensité-là jusqu'à la fin, puis déjà là, ça va être une bonne course ». Mais étant donné que j'avais fait le plan à l'avance, encore une fois que j'avais fait une entente avec moi-même, que rendu là, je voulais accélérer, ben c'était beaucoup plus facile pour moi mentalement de me convaincre de « Ok, je finis fort, j'accélère ».
Puis je pense que grâce à ça, ça m'a permis d'avoir une de mes meilleures fins de course de cette année. Puis je pense que c'est vraiment grâce à cette préparation mentale avant la course. Mon quatrième et dernier conseil peut paraître un peu contradictoire parce que je suis en train de faire une vidéo sur le mental, mais c'est de justement mettre le mental de côté et de simplement faire confiance à la science. En 2023, on a la chance d'avoir accès à plein de données qui nous permettent de quantifier l'intensité de nos efforts. Et si on est capable de bien utiliser ces données-là, ben on devrait en théorie être capable de faire des courses parfaites où on court exactement à nos limites. Fait que par exemple, on va utiliser la fréquence cardiaque. Donc pour moi, grâce à des tests que j'ai faits, je sais que théoriquement, pour un effort d'une durée d'une heure, je devrais être capable de soutenir une fréquence cardiaque de 172 battements par minute. Donc si je fais une course qui dure environ une heure, ben c'est vraiment facile pour moi de me convaincre de ne pas me concentrer à ce qui se passe entre mes deux oreilles et de simplement me concentrer à fournir un effort de environ 172 BPM pour l'entièreté de la course. Et ça m'a énormément aidé pour plusieurs courses cette année parce que ça m'a permis de oser et de partir plus vite de ce que j'aurais fait normalement. Ça m'est arrivé à plusieurs occasions où, disons, après 10-15 minutes là, après le départ de la course, que je commençais déjà à trouver ça vraiment difficile, puis je me questionnais si j'étais parti trop vite. Mais dans ces situations-là, ça m'arrivait de regarder ma montre et là, par exemple, voir 165 BPM. Donc quand je voyais ça, c'était un signe pour moi que, en fait, c'est juste ma tête qui joue des tours parce que réellement, physiquement, en théorie, ben je devrais être capable de soutenir cet effort-là et même d'aller un peu plus vite. Donc grâce à ça, ça me permettait de justement continuer à pousser et d'aller plus vite et faire des meilleures courses plus proches de mes limites, chose que je n'aurais probablement pas osé faire si je n'avais pas accès à ces données-là. Donc voilà, ça c'était mes 4 conseils pour la préparation mentale. J'espère que vous allez en retenir un ou deux pour votre prochaine course. Je sais qu'il y a quand même certains de ces conseils-là qui s'appliquent plus pour le genre de format que moi je fais, c'est-à-dire des courses de moins d'une heure, mais je pense quand même que les principes généraux peuvent s'appliquer même si vous faites du plus long ou du plus court. Donc c'est tout, on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!